À tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Pour vous, j'espère que les vacances se passent bien. Donc, au programme de cet épisode 28, si je ne me trompe pas, ou 29, je ne sais plus. Déjà, je vais aller ramasser mes œufs. Eh ben, il n'y en a pas. Ah, si, il y en a un. Vous n'allez pas me dire, ces poules, elles en font à l'appel ou quand j'en ai envie. Donc je vais aller remettre mon oreiller en route. Donc bien sûr j'attends toujours vos propositions pour jouer en ligne. N'hésitez pas, hein. Faites votre demande. Je cherche ma moissonneuse. Ah voilà. Donc je vais remettre mon oreiller en route. Et je vais nourrir mes vaches aujourd'hui. Donc je vais regarder ce qu'il fait avant. Donc je pense peut-être acheter peut-être une autre moissonneuse. Je sais pas, je vais voir. Comment ça va faire? Comme je vous le disais dans la présentation de mode, pour cette moissonneuse, donc elle coûte 1 euro, elle coûte vraiment pas du tout cher. La barre de coupe, je ne sais plus le prix par contre. Mais je trouve bien, très bien cette moissonneuse finalement. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, c'est bon, ça passe. Il me fait peur là. Bon, on va le laisser travailler. Tranquille, parfait. Allez, donc je vais m'occuper de mes vaches pour les nourrir. Donc il faut bien sûr la mélangeuse. Attendez, j'ai quand même garé ce camion là. Parce que il fait un peu désordre en plein milieu là. Hop. On va essayer de le faire passer par là. Si ça passe. Ouais, ça passe. Oh, le coq, la ferme. On va en faire un coq au vin, je crois. Non, je pense pouvoir. Je vais essayer de le mettre par là. Je vais le reculer là-bas dans le fond. Allez. On va redresser ça. Là, il sera bien. Je vais chercher ma machine pour nourrir mes vaches. Donc, c'est parti. Donc, on va prendre du fourrage en silo. Donc, on va mettre 4000 de chaque. Pourquoi ça m'a marqué? Ah, j'étais trop vite. Bon, c'est pas bien grave. Je vais quand même les nourrir. Je suis à 100%. On va mettre de la paille. Ça sera pas un mélange parfait, vous allez me dire peut-être, mais bon. On fait comme on peut. J'ai bien envie de mettre un peu d'herbe dedans. Je vais mettre de la paille. Ah, je n'ai pas tant que ça de la paille.
faire ça comme ça. On verra bien ce que ça donne. Parce que même moi, je sais pas ce que ça va donner. Allez, on va aller prendre un peu d'herbe. Je suis plein. Et on va donner à manger aux vaches. Donc bien sûr, non, c'est pas là, n'importe quoi, c'est à côté, bien sûr. Donc c'est là, je vais leur donner à manger, je vais leur donner à côté, l'autre côté aussi. Donc, je vais refaire pareil de l'autre côté. Pour finir de l'autre côté là-bas. Et il y a une petite étable aussi. Je vais leur mettre à manger. Comme ça, ce sera bien pour eux. Ça va, 4000. On va faire 4000 de paille. C'est 4000 nœuds d'herbe. Et comme ça, on en fera, ça nous fera 12 000. Ah, j'étais un peu trop loin. Non, il en manque encore un peu, 4000, 6, 7, 8. Il manque encore un petit peu. Ah, j'étais un peu trop loin. Tant pis, on va voir avec l'herbe maintenant.
Donc après, je vais finir de remplir avec l'herbe, bien sûr. Excusez-moi si vous entendez du bruit derrière, c'est encore les travaux qui ont repris. Veuillez m'en excuser, bien sûr, à l'avance. Là, c'est un mélange parfait en fait que j'ai fait. Donc en fait, vous faites 4000 de fourrage en silex, 4000 donc de paille, donc c'est fait 8000 et le reste vous remplissez et vous avez un mélange équilibré, si je peux dire. Donc voilà, donc on va aller finir de mettre ça là-bas. Il commence à faire nuit là, ma ferme. Hop, on va tourner là. On va aller là-bas au bout. Là, ça serait bien parfait. Voilà pour ce côté-là, pour le nourrissage de mes vaches. Elles ont mangé, je vais les faire. Donc, ce côté-là, il a pris un erreur mon ouvrier où il en est dans la moisson du champ. Donc, bien sûr, qu'est-ce que je voulais dire? Bien sûr, abonnez-vous, hein. Ça fera toujours plaisir et mettez-moi des pouces verts et mettez-moi des commentaires si vous le souhaitez. C'est toujours agréable. Ouais, comme ouais, il manque de quoi les nourrir. Donc je vais en mettre là. Allez, hop, on descend vite. Donc bien sûr, j'ai bien l'intention de refaire du fourrage en silex. Allez, 4000, 1000, 2000. ,4038. C'est pas trop gênant. On va aller mettre de la paille à nouveau. Et je crois bien que la dernière fois je les avais nourris, donc bien sûr avec de l'herbe si je me souviens bien. Et à la fois que j'en stocke et de la paille aussi. Trop loin. Bon, tant pis, je l'ai un peu trop mis. Allez. Donc on finit de remplir là. 100%. Donc voilà, c'est parfait. 31, 33, 31 de foin,
Forage en scierie 33, et comme vous pouvez le voir en page, je crois que ça doit faire du 34, un truc comme ça, il me semble. Donc, je pense qu'on est bon. On va dire que le mélange, il est correct, si je peux dire, et à peu près équilibré. Correct et équilibré. Donc déjà j'ai donné manger à mes vaches, c'est toujours ça. Il reste plus qu'à stabler la stabulation. Alors je sais pas s'il en faut ou pas. On va bien voir. Alors je sais pas si je vais pouvoir le mettre comme c'est de l'herbe. Je crois. Allez. On va vider. Ouais, c'est bon. En espérant que tout se passe, tout va dedans, ce serait bien. C'est parfait. Tout est rentré. Donc, je vais aller ranger la machine. Que je pourrais la laisser là, la machine, c'est pas bien gênant. Je vais aller voir mon ouvrier où il en est. Ah. Il s'est coincé. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors je comprends pas ce qu'il m'a fait. Bon, attendez. Je vais remettre au travail de là-bas. Je vais reculer jusqu'au fond, ça sera beaucoup mieux. Et je vais aller chercher après un tracteur avec l'armoire ou les remorques, je ne sais pas si je peux les atteler celle-ci. C'est parti. Normalement, ça devrait le faire avec l'ouvrier. Je sais pas trop. Ouais, il doit pouvoir finir le champ tranquille. Mais j'en ai encore un autre à faire, je crois. Mais je vais mettre l'ouvrier là maintenant pour voir ce qu'il va me faire. Voilà, c'est bon, l'ouvrier, je l'ai activé. Dans ce champ, donc le champ numéro 6 et le champ numéro 20, j'ai encore rien planté dedans. Il faudrait que je m'en occupe pour planter quelque chose. J'ai encore d'autres champs pour, comment dire,
à passer cultivateur, enfin il y a du boulot, et je m'ennuie pas. Donc bien sûr, toujours les bienvenus sur pour une demande en multi, hein, faites-moi cette demande, hein, n'hésitez pas, hein, n'ayez pas peur, ça sera plutôt cool et sympa si je peux dire pour jouer à deux ou même trois joueurs, ce serait bien. Bien sûr, quatre avec moi, je pense, parce qu'au niveau de ma connexion, je ne vais pas mieux prendre deux joueurs. Pas que je ne voudrais pas en prendre 10, mais 10, ça fera un peu beaucoup et j'ai peur que ça fasse un peu trop le bordel. Donc, trois, même quatre, même deux déjà, ce serait une bonne chose. Je vais aller chercher, comme je vous disais, donc le tracteur avec une remorque qui se trouve là. Allez, on va prendre la remorque. Ça, je vais la replier. Une, je pense, ça devrait suffire largement pour la moissonneuse. Enfin, je pense. Je ne vais pas être en face. Je suis pas en face du tout. Trop avancé, trop reculé. C'est champ numéro, je sais plus. Je mets la carte, je me souviens plus. Champ numéro 9, je crois, ou 10. A priori, j'aurais une grosse demande, forte demande de quoi, je ne sais pas. De colza et d'orge. D'accord. Je suis parti au champ pour aller chercher tout ça. Donc on peut le voir, c'est des cases qui est sur la map USA américaine si vous préférez, que j'utilise, et ainsi que les moissonneuses que j'ai aussi, qui font partie de la partie USA qui est dans mes modes. C'est par où déjà? Allez, faut que j'aille dire, ils sont à la ferme, si je me souviens bien. J'ai deux champs de patates. Il faudrait que je plante peut-être aussi des betteraves, je vais voir. J'arrive au champ, qui doit pas être bien loin, je crois, il doit être par là. Ah, il est encore ici coincé. Aïe, 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 aïe. Où il a fini, je sais pas. Alors, en plus, il a fini, pas tout à fait.
Oui, pas tout à fait. Il faudrait que je finisse ce petit morceau. Je vais finir ce petit morceau qu'il y a. Je pense qu'après je ramasserai le mettre en vrac. Je ne ferai pas tout en ballot, j'en ferai quelques-uns en ballot et le reste je mettrai en vrac. Je pense que je ferai peut-être deux, voire peut-être deux remorques complètes avec une auto-chargeuse. Donc on va replier et cette champ, je ne sais plus lequel, mais on n'est pas loin. Je suis pas loin de mon champ qui reste à faire. Je crois qu'il doit être en face. Il me semble, ouais, c'est celui-là qui se trouve là-bas, sur notre droite. On va déplier ça. C'est assez pénible ces arbres. Et j'y laisserai l'ouvrier, je vais voilà, le laisser faire. Donc finalement, j'aurais pas dû le laisser faire parce qu'il me fait des conneries. Comme d'habitude, ça change pas. Peut-être à partir de là, j'aurais peut-être pouvoir le lâcher pour qu'il fasse un moins un sillon droit quand même. Est-ce qu'il va passer? Il sera pas. Si, il est passé. Qui l'a cru? Bon, quand même, je vais aller chercher mon tracteur qui se trouve là-bas dans le champ du GSC. Alors attends. B, c'est quoi B?
je crois que j'ai pas pris les bonnes V. Ah voilà. Ok, comme ça j'ai les ridelles qui sont montées un peu plus hautes. Mais je pense que je devrais pas avoir trop de difficultés pour. Pour finir de tout remplir. Je pense que je vais le laisser par là, le tracteur. Là, ça me paraît bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est mis tout seul là? Je crois que je vais pas le mettre du tout ce truc là parce que ça a l'air de merder un peu, donc je pense que je vais venir avec un Manitou, quelque chose, avec un tracteur à pelle ou un Manitou ou un Dux ou je sais pas, pour ramasser le fumier. Ah, bien sûr, il y a la voiture qui gêne. On peut le voir, sur cette moissonneuse-là, j'ai fait trois champs. J'ai fait le champ numéro 32, champ numéro 8, champ numéro 8 et 9 et le numéro 7, il me semble, que j'avais planté de l'orge. Donc, comme je vous dis, c'est une moissonneuse assez rentable. Et pratique à la fois, je dirais. Là, ça a foutu sa merde là, c'est super, je suis content. Passer, c'est pas sûr.
pas de dernier tronçon qui reste à faire. Il ne reste pas beaucoup dans le fond, apparemment. Là, il y a juste un petit morceau. Il est gênant de le laisser. Donc voilà pour cet épisode numéro 28, si je ne me trompe pas. J'espère que elle vous fera plaisir cette vidéo. Parce que moi, bien sûr, j'ai toujours pris du plaisir pour la faire. J'ai mis de la pêche sur la route. Punaise. Bon, ben, c'est pas bien grave. Donc, ben, sur cette fin de d'orge pour l'instant. Je vous dis donc bien bonne vidéo à tous. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Peut-être du Euro Truck dans les jours à venir, je ne sais pas, c'est à voir. Donc, je vous dis bonne vidéo à tous. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye sur ma chaîne YouTube. Bye.